j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, je tenais à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui prennent le temps de regarder mes vidéos, celles aussi qui laissent des commentaires, qui mettent un pouce bleu, ça fait vraiment vraiment plaisir et mille merci. J'espère que le contenu vous plaît et que ça va continuer ainsi. N'hésitez pas à partager. Et pour les nouvelles personnes qui viennent de cliquer sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, je veux vous montrer un tuto d'attache foulard. On est en plein été, en plein canicule. C'est il faut s'habiller coloré de la tête aux pieds. Du coup, j'ai craqué. Disons que dans cette période-là, j'ai acheté plein de foulards colorés. Enfin, plein, c'est beaucoup. Mais à partir des deux, on peut dire que c'est beaucoup déjà. Du coup, je veux vous montrer un tuto d'attache foulard avec ce genre de foulard en satin, en soie, pas petite ni grand, donc ça va le faire. J'espère que la vidéo vous plaît. Je vous laisse avec la suite des images. Comme vous pouvez le voir, c'est en forme de carré avec des motifs assez sympatoches, tropicales. On a des fleurs, on a des paliers, de la couleur, c'est tout ce qu'on veut en cette période. Du coup, là, je vais faire le tuto sur mon twist-out. Vous pouvez avoir les cheveux attachés, détachés, en afro, mais comme vous voulez. Donc, on va prendre, vu que c'est en carré, on va prendre les deux extrémités diagonales. On va le faire comme ça. Et on va le faire comme ça, on le passe par derrière, on penche un peu la tête, du coup c'est comme ça, on ramène le bout, on le ramène devant, on attache. Un nœud classique. Et on rattache une deuxième fois. Et le bout qui reste, on le passe par ici. Et le mieux avec ce genre de foulard, c'est que vu que c'est en satin, vos cheveux restent protégés de l'intérieur et vous pouvez laisser quelques mèches devant ou tout rentrer comme vous le voulez. Vous pouvez aussi faire un flat twist, un peu brouillon, et rentrer le bout qui reste comme ça. Ah, j'ai chaud. Après, c'est à vous de voir si vous êtes plutôt oreille ou pas, avec les boucles d'oreilles comme ça ou comme ça. Je préfère comme ça. On va passer au tuto numéro 2, toujours avec
la même base cette fois-ci. On met cette partie-là derrière. On attache une deuxième fois. Ce genre de coiffure, c'est mieux quand on a les cheveux courts parce que là on a un petit afro sympatoche. Du coup c'est comme ça. À vous de voir si vous mettez intérieur ou extérieur. On passe à la coiffure suivante.
c'est l'attaché bonnet avec deux flat twists qui va jusqu'à derrière, et j'ai pris un épingle pour coincer le tout en bas. J'aime bien. Passons à la coiffure suivante. Alors, avec cette coiffure, j'ai fait juste la base avec un afro puff. Oula, un afro puff. Puis on va prendre, quoique on va changer un peu. On va prendre, par contre celui-là, c'est un carré mais de petite taille. Attacher les deux extrémités. Là. Et les deux autres extrémités de derrière, on vient les attacher. Vous laissez comme ça si vous voulez, ou soit vous les mettez à l'intérieur. Voilà, comme ça vos pointes sont protégées et vous êtes toutes je pense que je vais arrêter là au niveau des idées, mais franchement quand on a les cheveux courts, on peut faire plein de belles choses sur notre petite tignasse. En fait, il faut juste être créatif. N'hésitez pas à tester des choses, à tester des coiffures, à tester des accessoires. Si vous trouvez que vous avez du mal à vous coiffer, misez sur les accessoires, c'est très joli. Donc là, j'avoue que celui-là, je viens de l'inventer à l'instant. Et j'aime bien le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. En soi, j'avais rien préparé, mais c'est juste que j'étais là à regarder mes foulards et je me suis dit pourquoi pas ne pas filmer. Et donc, là, j'avais pas du tout préparé les idées, mais c'est venu comme ça. Et j'avoue que j'ai bien aimé, j'ai bien adoré. Je compte le refaire et améliorer la technique aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve à une très prochaine. Tchuss !